Tu as déjà fait assez de mal comme ça. Jacquet, tu le pends, lui. Jacquet. Lui aussi. Je ne peux pas les laisser faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, malheureuse? Rosalie, emmène-la dans sa chambre. Jacquet. Oui, monsieur. Amédée aussi. Vous ne pouvez pas pendre mon père, il n'a rien à voir avec tout ça. Regarde ça! C'est lui qui a volé mon or! C'est lui qui m'a trahi! Je vous en supplie. Je vous en supplie. Pour l'amour de votre petite fille par la Sainte Vierge et Jésus-Christ. Il a eu peur pour moi. Il pensait que j'étais là-bas. Avec ton foutu nègre, c'est ça? Connaître Lee encore. C'est avec vous que je veux être. Tu crois que ça va suffire pour le sauver? T'es à moi, ma pauvre fille. Je fais ce que je veux de toi. On peut acheter un corps. Pas une âme. Si vous laissez mon père vivre. Tu me donneras ton âme, toi?
C'est vrai. Toi, tu serais capable de m'aimer. Gueulefardé. Qu'est-ce qu'il y a? Gueulefardé vous attend pour pendre Amédée. Il dit que c'est lui, le chef. C'est de la connerie, ça. Si Amédée était le chef, ces imbéciles du marron auraient gagné. Dis-leur que je vais pas le pendre. Je vais lui couper la main pour lui apprendre à voler. J'ai sauvé la vie de ton père. C'est ce que tu voulais, non? Alors, finalement, tu es devenue la bousin du maître? Ça t'a servi à quoi de faire la fière? Tout ça pour cet Africain de malheur. Oui, bah, tu l'as vu, ils l'ont ramené. J'espère qu'il est en train de rôtir en enfer, ce maudit. Depuis qu'il est arrivé sur cette plantation, c'est mort et chagrin. Jésus-Marie-Joseph, monsieur François. Donne-moi quelque chose à manger, une gourde, je repars tout de suite. Oui, bien sûr, monsieur. Koyaba, ils l'ont tué, il est mort. Mais arrête avec celui-là! C'est pas assez tout ce malheur qu'on a à cause de toi? Tu ferais mieux de penser à ton père au lieu de courir comme une chienne après ton nègre. Venez, je vais vous chercher de l'eau. Pourquoi tu t'arrêtes là? Merci, pour moi je continue tout seul. Ah, je veux le voir. Bon, Adèle, c'est pas le moment. Il faut qu'il parte tout de suite, je vais trouver un bateau pour la Guadeloupe. Ah, je vous en supplie, laissez-moi lui dire au revoir, je vous jure que je le retarderai pas. Tu peux pas partir comme ça, on va se demander où tu es passé. Non, personne ne fera attention à moi aujourd'hui. Va-t'en. Va-t'en. Chienne. Denserré. Tu devais tuer Denserré. Je peux pas tuer, Doudou. Je peux pas tuer. Il faut que tu quittes la Martinique ce soir. J'ai trouvé un pêcheur qui va t'emmener en Guadeloupe. Là-bas, on ne te connaît pas, tu passeras inaperçu. D'accord. Koyaba, laisse-moi venir avec toi, s'il te plaît. Tu peux pas être la femme d'un chef. C'est ta tête qui est pourrie. Pousse-toi, tu es trop esclave. Amenez-le. Il bouge trop. Donne-lui un peu de thé. Bois doucement, mon père, bois doucement. Il faut enterrer sa main.
et dire une prière. Sinon, il va devenir fou. Et pourquoi tu me regardes? Demande à Dan Serré, je sais pas ce qu'il a fait de sa main. Bella, Rosalie. Va chercher sa main. C'est à moi de faire ça? Tout de suite. C'est pas à moi de faire ça. C'est à Adèle. Cette sacrée salope. Attends. Bouge pas. Mets ta tête là, Maman. Voir maîtresse, c'est votre frère qui l'ordonne. Christian. Je peux peut-être faire quelque chose pour vous, maîtresse. C'est pas très chrétien. C'est magique. Peu importe. Fais quelque chose pour moi. Je t'en prie, je souffre trop. Depuis que je suis toute petite, je vois des gens dans mes songes. Ma mère aussi était comme ça. Nous sommes des dormeuses. On pense à une personne avant de s'endormir. Et quand on dort bien fort, cette personne vient nous voir pour nous parler. Oh, je t'en prie, essaye. Endors-toi, pense à Christian. Je peux m'installer là-bas parce qu'il faut que je sois bien confortable. Oh, mais oui, je t'en prie. Monsieur de Chabot. Ça y est, tu l'as vu? Il... Qu'il est beau quand il sourit. Il... Pardon, monsieur? Oui, je vais lui dire. Moi aussi, mon amour, je t'aime. Attendez! Je crois qu'il veut encore me dire quelque chose. C'est moi qui t'ai poussé dans l'eau, peut-être. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? C'est trop tard pour tout. Adèle! Dis-lui de partir. Dis-lui qu'elle laisse ma fille tranquille. Quoi, c'est ma mère qui est là? Tu la vois pas? Ça va toujours quand j'arrive. Non. Ne laisse pas le bébé toute seule. C'est pas pour le bébé qu'elle vient, c'est pour vous.
ma case. N'emmerde pas. À partir de maintenant, tu dors ici. Mes frères, j'ai reçu ce matin, par lettre de notre maison mère, la confirmation d'une grande nouvelle. Frère François, vous êtes en retard. Et pourtant, j'ai là une nouvelle qui devrait vous réjouir, qui devrait tous nous réjouir, mes frères, en tant que chrétiens. Si la République n'était pas synonyme de guillotine et de sang versé, hélas, je ne peux pas me réjouir de cette nouvelle. J'ai peur, mes frères. J'ai peur pour nos vies, j'ai peur pour la vie de nos frères blancs. En conséquence, je vous demande de ne pas divulguer la nouvelle et d'attendre la volonté de Dieu. À Paris, la Convention vient d'abolir l'esclavage. Dieu nous Seigneur. Cette pauvre petite fille va grandir sans sa maman. Tibekea ne se préoccupe que de ses cartes et des comptes que je lui fais sur son doudou blanc. Monsieur de Chabot. Oh là, on vous adore. Monsieur de Chabot. Comme je vous comprends. Embrassons-nous. Mais monsieur François, le rhum vous est monté sur la tête? Alors vous ne savez pas? On ne vous a rien dit? Mais vous êtes libres, mes amis. La convention a voté l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Non mais je vous mens pas. C'est fini, c'est terminé avec cette barbarie. C'est fini, vous êtes libres. Tu vois, Dieu a entendu ton cri. C'est des comptes, monsieur François. Adèle, je ne plaisanterai pas sur un sujet aussi grave. La Convention a aboli l'esclavage. La Convention, c'est en France. Ici, le maître est parti chercher les Anglais. Mes amis, j'arrive du port. La flotte anglaise est là, prête à nous porter secours. Je propose que nous allions tous ensemble les accueillir. Mon cher, il s'agit tout de même de trahir la France. L'abolition vaut-elle que l'on se déshonore? L'abolition est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et pour échapper à la ruine, on peut bien se passer de l'immense honneur d'être français, non? Vous peut-être, Bonaventure, mais pas moi. Vous m'étonnez, Sainte-Colombe. Avant l'honneur d'être français, il y a d'abord l'honneur d'être un homme. Et ça, ça n'a pas l'air de vous déranger beaucoup. La Guadeloupe a repoussé les Anglais. Et l'esclavage a été aboli, c'est ça que vous voulez? Non. Laissons la Guadeloupe suivre son chemin. Ici, en Martinique, il n'y aura pas d'abolition. Fini, gouverneur. Vos troupes se sont rendues. La Martinique est désormais une colonie anglaise. Vous ne pouvez plus rien y faire. Le cas traître. Le colonel attend votre épée. Jamais. Vous voulez vraiment être un héros et finir fusillé? À votre place, j'irai m'exiler en Louisiane, il paraît qu'il y a de jolis garçons là-bas. Vous voyez, ce n'est qu'un mauvais moment passé. On se reverra pas d'aventure. Vous savez où me trouver, Excellence, je quitterai pas la Martinique. Hein.
Denis est là. Il était temps que vous arriviez, mon vieux. Je n'avais plus que ce manchot pour tenir mes livres, il n'écrit plus, il gribouille. Vous avez fait bon voyage? Très éprouvant. J'ai cru mourir une douzaine de fois. Le soleil me brûle les poumons. Mais non, vous verrez. Dans un mois, vous trouverez notre air délicieux. Amédée, je te présente Monsieur Denis, mon nouveau secrétaire. Il va prendre ta place. J'ai plus besoin de toi ici. Tu vas lui montrer la purgerie et les stocks. C'est qu'il fait encore très chaud. Il fera toujours très chaud. Et Amédée ne sera pas toujours là pour vous aider. Bien, monsieur. Pas très solide, ce petit blanc. T'occupe pas de lui. Occupe-toi de vendre Amédée. Il me déprime avec son moignon. Gueule fardée par beaucoup avec ta femme. Tu n'es pas jaloux? La rivière touchera pas Olympe. Il est comme moi, les blancs sont lui. Tiens. J'aime les femmes avec des bijoux. C'est beau l'or sur la peau noire. C'est pour ça que c'est interdit. C'est trop beau sur nous. Ça vous énerve. Vous savez quoi? Mon petit colibri a fait ses premiers pas ce matin. Et elle a bu tout son tourlement. C'est une bonne petite fille. J'ai gagné. Tu as gagné quoi? J'ai dit au maître que tu pouvais faire pacotilleur. C'est facile, tu peux tirer un âne avec une seule main. Amédée pacotilleur? Tu veux me dire qu'il va vendre des rubans et des dentelles à toutes les commères de la Martinique? Jalouse! Tu n'es pas contente parce que ce n'est pas toi qui l'as sauvé. Trappez de bouche, vous deux! Adèle, tu es sûre? Oui, mais j'ai menti. J'ai dit que tu avais l'argent pour acheter la marchandise et que tu lui rapporterais 10 francs tous les samedis. Je n'ai rien. Moi, j'ai l'argent. Le maître me donnait des bijoux autrefois. Et tu vas me les donner? Qu'est-ce que tu crois? Je ne donne rien, je te prête. Tu me donneras de l'argent, moi aussi. Un petit bout de mon cœur, chaque dimanche. Belle Rosalie. Vous voulez quelque chose? On m'a dit que vous faites des potions pour dormir. Est-ce bien le moment de dormir, monsieur? Évidemment non, pas maintenant. Mais je dors plus, Pense trop à mon père. Il a été exécuté, vous savez. C'était un chouan. En Vendée, nous étions tous des chouans. Et ils l'ont massacré. Je me suis enfui sur un bateau. Une bien triste histoire, monsieur. Comme la nôtre. Pas besoin de tout ça, Rosalie. Non. Vas-y, prends. Non, je peux pas. Tu crois que je suis trop vieille pour qu'on m'en donne encore? Mais non, c'est... Ma vie n'est pas finie. Je peux aider mon frère. Ton frère? Tu crois que mon coq ne peut plus chanter, qu'on m'a coupé les graines? Je ne suis pas ton frère, Rosalie. Arrête, Doudou. Tu dois les prendre. Je serais trop malheureuse si on le vendait. Très, très malheureuse. Très, très, très malheureuse. J'en mourrai. Et moi, je veux faire ton bonheur, Rosalie. Alors, rapporte-moi des rubans roses dimanche. Garde-les. Pour ton mariage. Alors, colonel, on tente votre...
en Martinique. Très satisfait, mon cher. De cartes. Votre hospitalité est parfaite. En Guadeloupe, c'est une autre histoire, à ce que j'entends. On raconte beaucoup de choses. Nous finirons par gagner là-bas aussi. Inutile de nier. Je relance. Cette armée de nègres vous a infligé votre pire défaite depuis le début de la guerre. C'est très mauvais pour nous, ici, en Martinique. En Guadeloupe, ils sont libres depuis plus d'un an. Faites quelque chose, mon Dieu. Vous êtes drôle. Le front en Europe mobilise toutes nos forces. Quand nous aurons fait plier la République française, nous nous occuperons de ces colonies. Si la France ne plie pas, vous comptez garder la Martinique, je suppose? Bah, j'espère bien, oui. C'est pas désagréable d'être anglais. Madame perd beaucoup. Que le Verdi est en train de la plumer. Bon, à moi de servir. Tu vous raccompagnes, tu as mis? J'ai besoin de 200 écus, Denis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai parlé à mon mari, il est d'accord. Madame, c'est que je vous ai déjà donné 100 écus la semaine dernière et je n'ai pas eu l'impression que... Que quoi ? Monsieur Bonaventure n'avait pas l'air d'être au courant. Mais j'ai dû oublier de lui en parler. Bon, maintenant, cessez d'argoter et donnez-moi ces 200 écus. Non, mais... Je suis désolé, mais je n'ai pas cet argent. Tenez, regardez vous-même. Molière, voulez-vous prendre pour épouse Colombine ici présente? Oui, je veux. Colombine, voulez-vous Miguel prendre Vardy. Pour époux Molière ici présent? Oui, moi je voulais. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et vous, mon père, qu'est-ce que vous faites là? Vous interrompez un sacrement de l'église, monsieur de la Rivière. Quel sacrement? Cette négresse est à Théophile. S'il avait voulu que mon Molière l'épouse, il m'en aurait parlé. Albert, envoie le singe dans sa cage. Ils ont passé l'âge de vous demander votre autorisation. Molière, non! Je vous déclare mari et femme. Allez en paix! Vous croyez très fort, Rochon, mais vous n'êtes qu'un bouffon. Quand je vous vois, j'ai honte d'être catholique. Parce que vous vous croyez catholique? Mon père! Mon père! Monsieur François! Amédée! Vous avez mal? Merci. Je suis pas plus mal que vous. Notre congrégation a besoin de règles. Et si nous ne les appliquons pas, nous courons en catastrophe. Tenez, le voilà. Frère François, vous savez parfaitement que le Code noir interdit aux esclaves le mariage sans l'autorisation de leur maître. Vous n'avez pas non plus à les soigner. Les esclaves sont des biens meubles. Vous ne devez pas empiéter sur les prérogatives de leur maître. Des biens meubles? Mais ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Si nous ne pouvons pas changer le système, notre premier devoir est au moins de soulager leurs souffrances. Mon frère, le Christ a dit... Malheur à celui par qui le scandale arrive. Je ne considère pas mon action auprès des esclaves comme un scandale. J'ai écrit à Rome à votre sujet, mon frère. J'attends la décision des supérieurs sur votre avenir dans notre congrégation. En attendant, vous acceptez de vous soumettre à notre règle ou vous quittez le couvent. Je prendrai mes affaires ce soir. Thank you.
Monsieur te demande. Mais tu es sous. Reste là. Je vais chercher Manque Joseph. Elle va venir te soigner. Non. Je veux pas que cette négresse m'approche. J'ai peur. J'ai peur, Jackie. Jackie, j'ai peur des noirs. J'ai peur des nègres. Quel noir? C'est pas moi. Tous. Ils me regardent comme si j'étais un insecte. Ils se demandent combien de temps je vais mourir. Ils me voient crever, Jackie. Ils me voient crever. Il n'y a pas que les noirs qui se le demandent. Ne joue pas à cache-cache avec moi. Hé ! Tu as une autre femme. Espèce de vieux bouc. Mais chérie, Doudou Lambeau, tu es le soleil de ma vie. Où j'irai chercher une femme plus belle que toi? C'est quoi ça? Maman, n'y habite à moi! Mettez ça là! Tu es pas cotilleur, tu n'as pas le droit d'aller au marché. C'est des cadeaux? Dis-moi son nom, qui l'ont il? Je vais lui montrer qui est la plus forte. Paix, bouge, Rosalie! Il a le droit de faire ce qu'il veut, tu n'es pas mariée avec lui. Oui, bah il a raison! Si ce vieux bouc balade son piment partout dans la Martinique, il sera vendu. Et toi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Elle n'écoute pas, Doudou. Elle est gentille. De temps en temps, sa tête est décalée. Elle est gentille. Voilà! Allez! Eh merde, j'ai vraiment pas besoin de ça. La clé du coffre. Plus déjà. Où est passé mon or? Lors de la dernière vente de sucre. C'est quand même pas ce crevard de Denis qui me l'a piqué. C'est toi? Réponds, je te crève. C'est votre femme. Ma femme? C'est ma femme qui a piqué mon or? Va la chercher. Vous voulez me voir? Il paraît que c'est toi qui as pillé mon coffre. Où est mon or? C'est pas la peine de t'énerver. Je ne l'ai plus. Comment ça, tu l'as plus? Il y a plus de 300 francs or. T'en as fait quoi? Je me rends m'amuser un peu, non? Si tu offres des bijoux à ta négresse, pourquoi j'en profiterais pas, moi aussi? Ne vous fâchez pas, maître. C'est Gueulefardé qui l'entraîne à jouer tous les soirs. Toi, tu ne dis rien. Je vous ai prévenu. Mais est-ce que le bouc écoute la vieille chèvre? Vous êtes comme un jeune marié avec vos anglais, vous ne voyez rien de ce qui se passe sous vos yeux. Je reviendrai bientôt, hein, petit doudou? Au revoir, ma sœur. C'est qui cet enfant? Non, je te crois pas. Je te crois pas. Adèle, qu'est-ce que tu vas faire? Adèle, restez. Restez là, moi, tiens. Laisse-moi voir mon fils. Il est orphelin. Il faut qu'il soit orphelin. Tu comprends ce que ça veut dire? Sinon, on rendra au maître. Adèle! Adèle! Laisse-moi voir mon fils, je t'en supplie. Tu seras esclave. Esclave. Jusqu'à la fin de ses jours. Tu comprends, Adèle? Je vais avoir mon fils. Laisse-moi voir mon fils, je t'en supplie.
Adèle est lingère chez nous. Madame l'envoie pour faire des habits à Jean-Baptiste. Je reconnais la générosité de Madame Bonaventure. Vous lui direz qu'elle tombe à pic car ce jeune homme va faire sa communion la semaine prochaine. Oui, ma sœur. Appelez-moi quand vous avez terminé, que je vous ouvre la porte. Savoir. C'est très important. Tu ne dois dire à personne qu'Adèle est ta maman. Si tu le dis, on ne pourra plus jamais se voir. Dépêche-toi, la sœur va bientôt revenir. Chérie, moi. Bon, sois sage, hein. Quand je reviendrai, tu auras un pantalon tout neuf. Milord, que se passe-t-il, monsieur Bonaventure ? J'apprends que Bonaparte a signé un traité avec vous, les Anglais. Nous gardons nos établissements en Égypte, l'île de Ceylan et Trinidad. Mais en échange, nous rendons la Martinique. He has been very helpful with us. May I suggest we do something for him? Yes, possible. Monsieur le gouverneur vous offre la protection de la couronne britannique. Vous pouvez venir avec nous si vous le désirez. Quitter ma plantation, abandonner tout ce que j'ai à ces salopards de bonapartistes, jamais. Bonaparte a la réputation d'être rancunier. Vous allez avoir des ennuis. Il ne pourra pas se mettre à dos tous les blancs de la Martinique. Le prochain gouverneur sera obligé de négocier avec nous. Adieu, monsieur Bonaventure. Bon courage. De lâche. Vous vous couchez déjà? Vous trouvez qu'il y a de quoi se réjouir? Et pourquoi pas? Bonaparte a rétabli l'esclavage. Et regarde le résultat. En Guadeloupe, les nègres refusent de redevenir esclaves. Alors qu'ici, en Martinique, grâce aux Anglais, nous avons maintenu la paix. Mais Bonaparte va rétablir la paix en Guadeloupe, mon ami. Il n'y arrivera pas. Les nègres ont connu la liberté, ils ne vont pas y renoncer. Et avec ce foutu nègre de colonel Delgrès à leur tête, ils iront jusqu'au bout, je te le garantis. Colonel Delgrès est mort. Il s'est suicidé hier avec ses troupes. Il a préféré se faire sauter avec ses hommes plutôt que de se rendre. Un sacré bonhomme, tout de même. Eh bien, dans ce cas, la révolte des Noirs de Guadeloupe est vaincue. Le venin qui se propageait jusqu'ici en Martinique va cesser de pourrir la tête de nos nègres. Mes amis, je propose de lever un verre à la paix. Le nouveau gouverneur ne gobera jamais vos serments de fidélité à la France.
Tout le monde va avoir des comptes à rendre. Non, pas tout le monde dans l'aventure. Seulement vous. T'avais prévenu, Théophile. Venez dire à ma femme de m'attendre pour le dîner ce soir. Le gouverneur ne me retiendra pas longtemps. Olympe, je suis vraiment navré d'aborder un tel sujet dans des circonstances aussi éprouvantes, mais les choses risquent d'aller mal pour moi aussi. Théophile a bien dû vous laisser de l'argent. Pas un sou. Je vous assure, mon cher. Je réglerais si je le pouvais. Nous n'avons eu aucune rentrée d'argent récemment. Cher ami, je vois que vous ne comprenez pas bien la situation. Je peux vous signer une reconnaissance de dette, en bonne et due forme. Une de plus, vous voulez dire? J'en ai déjà 5 ou 6. Allons, soyons sérieux. Vous avez bien quelques bijoux? Je les ai tous vendus. Croyez-vous que je trouve l'argent pour jouer avec vous? Ça fait des années que Théophile surveille mes moindres dépenses. Il a bien fallu que je me débrouille. Il n'y a rien là-dedans. Je sais bien. Que voulez-vous que j'y fasse? Il vous reste quelques atouts. Vous voudriez que je devienne votre maîtresse? Hmm. Ah, vous vous flattez, ma chère. Pour 1500 francs or, je suis un peu plus exigeant. Toujours dit que les planteurs n'étaient pas ses amis. Ils se sont servis de lui, maintenant ils ne le connaissent plus. Guelfardé est arrivé comme un chien galeux. Il veut que la Tibéquet lui donne tout son argent. Il peut demander tout ce qu'il veut, il n'y a plus d'argent. Tibéquet, elle va nous vendre à Guelfardé. Amédée! Adèle! Allez! Plus vite! Des gens. Ma chérie, ce ne sont pas des gens, ce sont des nègres. Mais Rosalie, c'est pas une nègre. Tu ne peux pas la donner. Vous croyez vraiment que c'est la place d'une enfant? Retourne dans la maison, ma chérie. Je te promets qu'on vendra pas Rosalie. Celle-là, vous me débarrasserez. Mais... je sais qui c'est. Il paraît qu'elle a beaucoup de talent. Son amie Négresse, naturellement. Si je peux me permettre, monsieur.
Vous ne pouvez pas prendre la cocotte du maître. Et qui m'en empêchera? Toi, peut-être? Le maître enragera contre vous, monsieur. Les colères de Théophile impressionnent beaucoup les esclaves. Nous aurions tous préféré faire autrement. Mais vous avez raison. Cette fille vaut cher. Elle épongera, elle toute seule, une bonne partie de votre dette. Eh bien, soit, le compte y est. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, Jacquier? Mettez-la avec les autres. Non! Non! Non, Jacquier, non! Non! Ils ont tous peur de Théophile, mais... Une fois sorti de prison, il aura bien d'autres choses en tête, croyez-moi. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je peux pas. Pardon. Prends les bijoux sous la tombe de ma mère. Et rachète-moi Gueulverdet. Tâche d'appliquer à m'aider. L'Indien ne sait pas écrire et le jeune comptable est mort. Je n'ai plus que lui pour rédiger l'acte de vente. Alors, Saturnin. Nègre créole. Il est magnifique celui-ci. Vous avez bien choisi. Ça m'ennuie beaucoup de le vendre. 600 francs. 700. Je connais les prix. Note bien, 700. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, évidemment. Adèle, négresse créole. Eh bien alors, à quel âge ta fille? Vous ne pouvez pas faire ça, maîtresse. Oh, si, je peux le faire. C'est moi qui commande maintenant. Crois-moi, vous allez regretter Théophile. Tenez, mon cher, voici votre acte de vente. Vous m'escroquez, mais je n'y peux rien. À bientôt, cher ami. Vous n'en voulez pas trop? Plus depuis que vous avez pris cette négresse. Je la hais à un point que vous n'imaginez pas. Je voudrais parvenir des nouvelles de Théophile. Prenez votre temps, rien de presse. N'oubliez pas que je vous choque. Vous venez d'acheter sa maîtresse, c'est tout de même pas grave. C'était uniquement pour vous rendre service. Quelle hypocrite vous faites. Parlez, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, l'Indien? Je veux racheter la fille. Hein? J'aurais tout vu, moi. L'Indien qui veut se payer la négresse du maître. T'as du culot, mon gaillard. Ce n'est pas pour moi. Hein? Tu viens me faire croire ça? Tiens, non. Garde ça pour t'acheter une autre femme. Et vise un peu moins haut la prochaine fois. Non. 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 Allez, allez! Non. Bonaventure, celle-là? Si. Il est en prison et sa femme s'est fait un plaisir de me la vendre. Vous la voulez? Une femme? Non, mon cher. Il y en a toujours trop, des femmes. Ce sont les hommes qui manquent. C'est vrai. Il y a de moins en moins de marchandises. Regardez ça, une beauté exceptionnelle. Bonne pour le lit, bonne pour la reproduction. Jeune, solide, saine et créole. Éduquée sur une habitation, sachant s'occuper du linge. Coudre, mise à prix 1000 francs or. J'en donne 50 de plus. Et moi 100 de plus. 200 de plus pour son caractère. Rires.